Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux, comme d'habitude, en train de suivre cette émission ActuBuzz. Cette émission ou ce numéro spécial, la deuxième partie consacrée à l'histoire de l'AFDL. Cette fois-ci, on va revenir sur la conquête et l'exercice du pouvoir. Vous avez envoyé plusieurs questions, vous avez envoyé des remarques, des propositions, des suggestions. On ne les a pas jetées, on a tenu compte de ça et on va tenter de rencontrer vos attentes au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois, comme vous le savez déjà, Maître Joël Kiteng, avec qui nous continuons de décortiquer l'historique, les origines, la mission, les objectifs de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle. Est-ce que ça sera le dernier numéro de cette affaire? Je ne sais pas, la matière est tellement abondante. On a toujours envie de l'exploiter. Maître Joël, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, merci encore de l'invitation. Salutations à tous nos compatriotes qui ont porté beaucoup d'intérêt à nos propos, à cette émission. Et nous respectons le point de vue, les réactions de part et d'autre, la contradiction, ce choc d'idées. Moi, pour moi, je me sens soulagé, dégagé. Désormais que ce fardeau est partagé. Dès lors que cela est connu du public, chacun en jugera. Très bien, alors je dois vous avouer sur ces plateaux que j'ai reçu tellement de messages, tellement des appels en rapport avec l'émission précédente, les révélations que vous avez faites, l'historique que vous... Voilà. Et les gens veulent savoir un peu plus. Il y a même des gens qui vous contredisent. Et ici, j'aimerais qu'on puisse faire un petit rappel par rapport à cet historique. Parlons d'abord de l'Emera. Vous avez dit que l'Emera ne se trouvait pas au Congo. Et il y a des gens qui ont envoyé des messages. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos de la cartographie de la RDC pour préciser que l'Emera se trouve dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Qu'est-ce que vous en dites? Merci autour de la question. C'est qu'un élément, avant même que je réponde à cette question, les gens doivent retenir trois choses. Tout ce que je dis, je n'ai pas fait l'objet de mes recherches. Ou par exemple, que je me suis donné l'élite en tant que scientifique, intellectuel, pour aller chercher, réunir les éléments, pour tenter d'écrire, après une série d'enquêtes, peut-être dont moi-même, je m'étais donné le temps d'enquêter là-dessus. Ce n'est pas le cas. Et je suis en train de faire un témoignage. Dans mon témoignage, il y a deux parties. Il y a la partie où moi-même, après avoir accepté de s'engager comme Kadogo dans ce combat qui est venu après la prise de Bukavu, et ensuite dans les éléments de réponse que j'ai obtenus, moi, de celle à celle avec André Kisasingando. J'affirme tout ce qu'il courtoyait, puisque la plupart de la ceinture d'André Kisasingando, il n'y a aucun survivant. Je vous ai relaté le fait de la précédente émission, les circonstances qui ont concouru à sa mort, des choses qu'il me disait. Mais après l'émission, j'ai suivi les réactions, les insultes, bien sûr, et tout ce qui a été dit, bon, je le comprends, c'est naturel. C'est déjà un cadeau congolais, insulter, ça fait partie du patrimoine pratique des Congolais quand on n'a pas assez d'arguments ou quand on ne sait pas très reformuler votre C'est quelque chose qu'on doit surtout bannir, malheureusement. Bon, ça montre l'éducation, d'où on vient. Moi, je viens d'une famille pauvre, mais néanmoins d'un parent enseignant. J'ai été instruit et éduqué dans la foi et dans le respect de l'autre. Dans mes idées, je défends plus des idées que d'inciter. C'est difficile que je vienne pour vous dire Hervé, ceci ou cela et tout ça. Bon, alors, l'Emera. Ça montre. Je reviens là-dessus. Si cette mise en point est très importante pour que les gens comprennent. Je suis allé à la maison, je suis allé chercher mon vieil agenda. Ce vieil agenda, je vous dis, cache quoi? Ça remonte. C'est une bibliothèque vivante. Cet agenda est vieux et je l'ai obtenu à main propre, qui a même la signature avec Bic de André Kisasingando lui-même dans cet agenda. Vous l'aimez beaucoup? Je suis allé, je l'aime beaucoup. Je suis allé fouiller et revérifier dans mon agenda et j'ai trouvé que certainement dans le propos des récits tels que je l'ai noté et ce que j'ai pu présenter dans l'émission, il y a une petite différence. La différence est sur l'Emera. Un élément dont je ne pense pas me tromper. Je suis en train de parler du Lemera là où l'accord de la FDL a lié. Et je tiens à réitérer et à insister, le Lemera dont question est, ce n'est pas le Lemera dont le Mwami de Bafuliro dans les alentours d'Uvira, dans cette montagne où était
CEPESA à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait cette communauté CEPESA ou CEPAC, actuellement une communauté de 8e communauté CEPAC, où se trouvait cet hôpital ou cette ville qui a un roi de Bafoulire. Je ne parle pas d'ici. Je suis en train de parler d'Ilomera, l'endroit où la réunion a eu lieu, et j'ai dit, cette réunion ne s'est jamais tenue au Congo, dans un coin quelconque, et je réitère, j'insiste. Je ne parle pas de géographie de l'endroit, le maire, mais je parle de la réunion où on a créé maintenant la FDEL, puisque au début, on appelait ça la rébellion, l'agression de Banyamulenge, sans nommer un nom. Tous ceux qui suivaient la radio savent que les Banyamulenge se sont révoltés, ont pris les armes. Ils se disent, c'est une ethnie des Congolais à l'Est, les Banyamulenge ont pris les armes. Et le nom de l'AFDEL est venu que plus tard. Le Mera, dont moi je fais allusion, c'est un quartier qui est, vous allez quand vous dépassez l'aéroport de Kigali, le quartier, tout le monde qui fréquente, il sait que le quartier c'est le Kinkondo. Le quartier Kinkondo dans l'aéroport de Kigali. Et ce quartier-là est le Mera. Maintenant, sur le Rwanda, le mot, la lettre L ne se prononce pas. Là où il y a L, il dit Ré. Remera. C'est pourquoi il dit Remera. Dans le Remera là, ce n'est pas le Remera de chez nous, dans les montagnes de Bafoulire, non. C'est un quartier se trouvant aux alentours de l'aéroport de Kigali, dans un des hôtels de ce quartier-là, cet espace qui s'appelle Remera, mais sur le quartier où la réunion s'est tenue, et c'est dans l'un des hôtels où Laurent Désiré Kabila a été logé. Il faut aussi souligner que la réunion où la rébellion appelée jadis de Banyamulenge a immigré pour devenir l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, qui André Kissasingandou n'a pas pris part. Là, lui, il est au front, il est à Bukavu. On trouve la nécessité qu'il y ait un nouveau porte-parole à l'endroit en remplacement du bureau politique qui était dirigé par le docteur Lokondo. Ceux qui étaient à Bukavu savent que le conseil militaire se tenait dans l'ancienne résidence du gouverneur qui était à l'entrée de la FDEL, pillé par la population. Il n'y avait presque plus rien, dit-il, de vieux bâtiments et tout ça. Et c'est là où la réunion, le conseil militaire se tenait. L'ancienne résidence de Mobutu, de Bukavu, où le gouvernorat, le bureau du gouverneur, là où était l'état-major, qui était devenu plus tard le bureau de l'AFDEL, et le coordonnateur, le numéro un de ces bureaux, c'était docteur Thomas, docteur, à Paris, Thomas Lokondo, un était là aussi. Maintenant, dans chaque endroit, quand on prenait une localité, un regroupement, une commune, c'est André Kissasingandou qui prenait parole et qui parlait, qui expliquait comme commandant. Les Rwandais lui persuadèrent que le commando de Mobutu était encore à guet-apens de la ville de Bukavu. C'est très risquant que vous seul, vous êtes commandant et chargé des opérations, et vous vous mettez à parler dans le meeting, donc faisant la politique, faire comprendre la vision, la libération et autres, puisqu'il y avait à l'entrée là une méfiance de la part des Congolais. De la part des Congolais qui ne voulaient pas très vite embrasser et accueillir le mouvement. Pourquoi? Puisque le visage de tout ce qui caractérisait le mouvement était des Tutsis. Et à ce moment-là, ils décidèrent, en contactant maintenant commandant Hippolyte, donc je fais allusion, quand commandant Hippolyte intervient. Je voudrais aussi recaler, pour dire, insister à l'Omera, que pendant toute la guerre, dans la montagne où se trouvent les Mwami de Bafoulire, il n'y a jamais eu réunion. Vous pouvez appeler quiconque de la région, qu'il vous dise. Et la chefferie existe, la famille régnante, elle est là. Il n'y a pas eu réunion de cette enclave-là, je veux dire, tous les leaders qui dirigeaient le mouvement dans la montagne de Bafoulire, mais la réunion a été faite en dehors du Rwanda. Là, André Kissasingandou, quand tu l'apprends, qu'on fait une réunion, on décide à ce que tous les leaders-là créent leurs différents partis et que ces différents partis s'unissent autour de cette alliance sans qu'on unisse André Kissasingandou. Mais néanmoins, on l'a dit que non, tu étais aussi représenté. Vous étiez dans le cas des Congolais, puisque pour le Rwanda, on lui a présenté Anselme, donc Anselme, que vous appelez Masasu Nindaga, comme un Congolais. Ça aussi, il faut souligner que Masasu avait un parent Mouche, un parent Tutsi. Donc, il était dans le dé et il a grandi ici au Congo, mais il parlait aussi la langue de chez nous. Il parlait aussi le Kinyarwanda couramment.
Et à ce stade, on dit non, vous avez été représenté, puisque dans la France, des Congolais, Anselme était là. Quand on a émis maintenant le vœu de faire venir quelqu'un, c'est Anselme qui parle maintenant avec son ami Hippolyte. Il faut aussi souligner. Hippolyte qui... Le commandant Hippo, alias Joseph Kabila. Donc, le commandant Hippo, c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Il y a aussi des questions. Afande Hippo. Il y a des questions sur lui aussi. Je voudrais planter un décor important là-dessus. Avant, aide-moi à me poser la question pour y venir. Comment lui, Hippolyte, s'est retrouvé dans le AFDEL avant que Moussa Laurent Désiré Kabila vienne, puisque j'ai souligné que Moussa Laurent Désiré Kabila venait à Bukavu, il trouva déjà Hippolyte à Bukavu dans les opérations comme un de commandants de troupes et qui était très proche de Anselme Masasu Ndaga. Alors, c'est comme ça que Joseph, s'il faut dire les mots pour permettre aux télépisateurs d'avoir une idée. Bien comprendre. Peut-être quand je dis commandant Hippo, il... Les gens ne comprennent pas. Exactement. Donc, alias Joseph Kabila, pour la raison de Joseph Kabila, il dit non, je le contacte avec le père qui on a traversé avec lui à Wimbi. Il faut souligner que Joseph Kabila, lui, il est né à Ewabora, en 1971. Ça, c'est d'après les sources que le commandant Kisasi Ngandou me le relata. Donc Kabila est né ici à Ewabora. Il est né ici au Congo, à Ewabora. C'est là où la question de la congolité, si ça avait été présenté ainsi pour cet aspect du droit qu'on appelle le droit du sol, ça pouvait être compréhensif dans la mesure où il est d'origine rwandaise, mais néanmoins, il est né au Congo. Il est né au Congo, ça pouvait être ça. Maintenant, là, on maquille le tout. Très bien. On parle de qu'il est né au Congo certainement, mais on brille sur l'ensemble des origines, faisant de lui le fils de Christopher Kanambe, par exemple, et de Madame Marceline du Rwanda. Puisque pour un enfant, avant que je revienne à cette pour un enfant, avant qu'il se réclame une telle nationalité ou congolité ou rwandanité, s'il faut me permettre dans le mot, tout découle d'abord du droit du sang, et du droit du sang est lié à ses parents, qu'on appelle le jus sanguinis. Il faudra d'abord établir la nationalité de Christopher Kanambe, de Madame Marceline, avant de dire tel enfant, par exemple, est du sang congolais et il est né au sol congolais. Dès lors que, ce qui est aussi à souligner, que Christopher Kanambe est resté le plus longtemps possible dans les montagnes de haut plateau à Fizika, vous appelez, bon, pour les gens qui connaissent Minembe, donc ce qu'on appelle haut plateau. Dans le haut plateau, il faut s'y rappeler, c'est le sol spécialement propriété des Babembe. Les Babembe qui sont inétimis là-bas, il faut s'y rappeler que, par exemple, le secrétaire qui était le coordonnateur du FCC, il est Mbembe. Niemi Mwilanya. Il est Mbembe. L'ancien coordonnateur. Mais par exemple, lui n'est pas de haut plateau, lui il est de Baraka. Mais c'est la même ethnie. Alors, question maître avant d'évoluer. Christopher Kanambe, Madame Marceline, étaient des Rwandais selon vous, mais il faisait quoi au Congo? C'était quoi les raisons de leur départ du Rwanda pour venir s'installer ici au Congo? Alors, lorsque il y avait des événements majeurs, d'après André Kisasi, qui me le relata, et c'est qu'il faut qu'on découvre et qu'on connaisse. Alors, ces combattants qui étaient tous dans les montagnes, après la chute des tentatives de cette rébellion qu'on appelait Moulelemaï, la vision de Moulele a embrasé, ce n'est pas seulement la province orientale et autres, ça c'est dans l'histoire, ça tout le monde connaît. On a appris même dans l'histoire, ce n'est pas ce que j'ai pu faire la recherche là-dessus. Les combattants qui voulaient à tout prix renverser Mobutu étaient éparpillés dans plusieurs fronts. Et ils se sont regroupés en termes d'ethnie. De sortir ça, il y avait des combattants dans cette ethnie qui sont des Katangais, il y avait des combattants généralement les Babembe et les autres, et qui bénéficiaient d'un encadrement de la guérilla des autres guerrieros de frontaliers, des Ougandais et certains Rwandais à l'époque. Et lui, Christopher Kanambe, qui était ami de Moussa Laurent Désiré Kabila, qu'il faut aussi souligner, habitait dans le haut plateau. Il faisait perdre ce bœuf et en même temps dans la guérilla. Dans la guérilla comme une troupe d'autodéfense. Sans une vision globale, par exemple, c'est comme
on parlait du Thomas Lubanga avec son mouvement-là, en Ituri, entre les Emma et les Lendu, la guerre était entre les ethnies, mais Thomas Lubanga n'avait aucune vision de renverser Kinshasa. Donc un mouvement de guerre, c'est comme Kamuna Sap. Ils se réveillent, ils se battent, mais sans aucune vision de renverser le régime. C'est le sol. Donc c'était un combat de propriété et tous les jeunes gens de chaque coin se réunissaient autour d'autodéfense comme une sorte de sécurité des cultivateurs, de leurs baies, de leur élevage contre d'autres tribus pour protéger seulement leur territoire. Et des combattants de cette nature, on les a partout. Même à l'Équateur, même partout, il y a des gens comme ça qui se réunissent autour d'une philosophie. Très bien, alors que... Très important, c'est que je voulais continuer. Alors, quand cela est fait, c'est comme ça que dans la guerre de Wimbi, en 1983, il y eut une grande bataille que Mobutu a envoyé des commandos de Béret Rouge sous la supervision du général Mayenne. C'est la période où, s'il faut souligner, où Moïse Laurent Désiré Kabila fut blessé dans son pied, puisqu'il boitait un peu, l'histoire, tout le monde le sait. Il boitait, c'est à Wimbi. Bon, Wimbi, pour le situer du point de vue géographique, d'après ce que je puis regarder dans la carte, puisque moi je ne m'étonnais qu'au nom qui était dans l'agenda, et j'ai pu chercher maintenant, cette fois-ci, avec les critiques de la fois passée, faire une analyse approximative avec le nom, les événements, mais avec la carte existentielle. À Wimbi, vous vous souviendrez qu'il y a même une compagnie qui a voulu ovationner le coin Wimbidira. Il y a même une compagnie qui a ovationné le coin Ewabora. Airways, c'est pour célébrer ce coin qui était de base de campement des combattants de Moïse Laurent Désiré Kabila avec tous les combattants. Lorsqu'ils connurent le défaite contre Gérard Maël à Wimbi, on les poursuivit jusqu'à Ewabora et ils perdirent beaucoup de combattants. Beaucoup de combattants. Et là, à Wimbi, lorsqu'on attaque Wimbi, Christopher Kanambe, lui n'était pas à Wimbi, il était à Ewabora, à Manono, dans le Katanga. Puisque quand nous sommes à Wimbi, nous sommes dans la frontière entre les Brousses qui peuvent amener vers la province du Sud-Kivu, la région à l'époque, mais aujourd'hui nous sommes dans le Tanganyika. C'est dans le rive du lac Tanganyika. Mais également, Wimbi, il y a aussi un port. Il y a un port là. Très, très attractif et la frontière, vous pouvez faire Nandjela Amai, vous y allez en Tanzanie, très bien. Vous êtes au Congo et c'est dans ce coin-là qu'il y était un long campement et c'est d'ailleurs, il faut souligner que c'est à Ewabora où Moïse Laurent Désiré Kabila va faire connaissance avec Mama Sifa Mahanya. Là, nous sommes en quelle année? Les années de la raconte, je n'ai aucune exactitude de l'année de la raconte. Je n'ai aucune exactitude. Le général ne m'a jamais permis. Alors pendant ce temps, Joseph Kabila est déjà né. Joseph Kabila est né à 71, dans le Ewabora, je viens de le dire. Nous sommes à 83. Ok. À 83, lorsqu'on agresse, Wimbi jusqu'à le déloger à Ewabora. Très bien. C'est ainsi qu'il avait 13 ans. Madame Sifa va faire la route, traverse maintenant Ewabora pour aller en Tanzanie. Avec Joseph Kabila et d'autres jeunes qui étaient le fils de plusieurs combattants décédés dans l'agression de commandos de Béret Rouge à Wimbi. Ils traversèrent avec eux tous comme les enfants d'orphelins. Il faut aussi souligner l'affection qu'il avait pour les enfants puisqu'elle n'avait pas d'enfants. Et c'était la plus jeune des épouses de Laurent Désiré Kabila à cette époque. Il prit ses enfants, ils traversèrent... Il en avait combien à l'époque, Laurent Désiré Kabila? Les femmes. Les femmes. Les femmes, à cette époque, quand ils prirent Madame Sifa Mahanya, c'était sa troisième femme, d'après le général. Combien d'enfants déjà, selon vous, si vous pouvez estimer? Je ne connais pas le nombre d'enfants de Moïse Laurent Désiré Kabila. Mais ses amis, comme le Mama Sassou nous disait, Kikisa Singandu nous disait, qu'il était très accro aux femmes. Il ne laissait passer rien de semblable devant lui. En tout cas, il était à ça. Les enfants, en tout cas, je ne peux pas me permettre de faire une analyse de ce que je ne connais pas. Très bien. Ne sais pas s'il en avait combien d'enfants dans tout ça, là, je n'ai aucune idée. Mais après qu'ils aient traversé à Tanzanie, en 1983, vous imaginez. Maintenant, à 87, puisqu'à 87, la source de son ami d'école, 87, Joseph Kabila jette l'éponge de l'école. Il arrêta l'école à 87. En 87, il a arrêté d'étudier. Oui, là, ils sont déjà à Tanzanie. Ils ont traversé à 83 après l'agression.
l'attaque de Wimbia 83 par le Béret Rouge de Mayela 83. Mmh. Et ils traversèrent de l'autre côté à Tanzanie. Mais arrivé à 87, il a arrêté... il a arrêté l'école pour faire quoi? Comme tout jeune garçon, il a tenté de se débrouiller pendant au moins une année et demie comme convoyeur d'un grand bis à Tanzanie. S'il vous plaît. Attendez, maître. Question des règles. Donc, cette histoire qu'on a toujours appris que Joseph Kabila a été chauffeur à Tanzanie est vraie? C'est une histoire vraie. Lorsque, à 87, il arrête le chemin de l'école, il n'était pas devenu tout de suite chauffeur. Il a d'abord fait quoi? Il est devenu receveur. Donc, le convoyeur, que je mets les langages de quinoa, donc un receveur. Receveur dans un bus. Dans un bus. Et après qu'il soit receveur dans un bus, comme tout le monde qui tentait de se débrouiller, soit une année et demie, vers le début de 1989, il devient lui-même chauffeur. Jusque les années 91, où il a rejoint l'Ngotagne. À 20 ans. Oui, là, il nous rejoint l'Ngotagne. L'Ngotagne... en français, donc en créola, Mpese. Mpese. En swahili, Mende. C'est ce qu'ils appelaient ces combattants-là. La base d'Ngotani était en Ouganda. Ils nous rejoignent. Maintenant, l'Ngotani, c'était quoi? C'était un appel que tous les Tutsis qui étaient réfugiés en Tanzanie, en Burundi, au Congo, il y en avait aussi. Aux Zaïre, à l'époque, il y avait des Tutsis dans les montagnes de Fizi, dans le Rutshuru et un certain nombre dans le Massis. Un appel de bouche à l'oreille s'est propagé pour demander à ce que toute famille Tutsi envoie, ceux qui en ont plus des enfants envoient quatre garçons. Ceux qui n'en ont plus envoient deux. Ceux qui n'ont que deux ou un garçon, ils l'envoient un pour la survie de la famille afin qu'il libère le Rwanda. Là, le président Juvenal Habyarimana est au pouvoir. En 91, il nous rejoint. C'est la partie-là, il faut préciser, puisque j'ai attendu dans la question, donc vous m'avez parlé de Barnabé, qui, quand il nie la formation oui, Barnabé m'a révélé plutôt que Joseph Kabila n'avait jamais suivi une formation militaire. John Numbi non plus. Comment il s'appelle encore celui qui est aujourd'hui, qui a été dans V-Club ici Amis Tamofor. Non. Ça réserve cette question pour me rappeler. Mais pour ce qui est de Joseph Kabila, je souligne les défauts qu'on peut lui critiquer, par exemple, en termes d'armée, ça c'est juste une manière de saute, c'est puisqu'il n'a pas, il est monté en grade sans respecter l'hiérarchie, la manière dont on monte en grade naturellement. Donc, il est par exemple, des commandants en général-major directement. Non, colonel. Il était devenu d'abord colonel, l'adjoint du général Mayel. Celui qui est venu de Congo-Brazzaville et du Gabon, c'est quoi? Mounene. Il a été colonel sur des opérations, même quand il disait qu'il il était d'abord colonel, du colonel général-major. Donc, du zéro colonel, du colonel général-major. Voilà comment tout ce qu'on a chez l'on est. Il n'a jamais été capitaine ou major. Directement général-major. Par exemple. Ou même colonel. Colonel Foul, ensuite de suite. Donc, ça, c'est l'échelon de grade qu'on peut lui reprocher. Mais la formation militaire, les gens se trompent. Il a suivi une formation. Il est combattant depuis son jeune âge. Quand je vous relate ces faits ici, est combattant depuis son jeune âge. Et je vais même vous rappeler, ne les prenez pas pour ainsi, Zoé est aussi militaire. Ah bon? Exactement. C'est un militaire, ne le prenez pas dans sa timidité là où les restes, combattant aussi. Faut pas prendre il a combattu où je suis en Malembe, là vous allez me faire partie dans l'idée. Je reviens d'abord à 91. Lorsqu'il rejoint l'Ngotagne dans la base de l'Ouganda. C'est là où ils étaient formés. Lorsqu'ils arrivent, quand lui revient déjà à 91 pour rejoindre l'Ngotagne, l'Ngotagne était déjà en guerre dans la frontière qui séparait l'Ouganda et le Rwanda. Ils avaient déjà contrôlé quelques localités. Ils avaient déjà une base en contrôlant quelques localités, direction de la défoncing vers Kigali, pour faire tomber Kigali. Il nous rejoint et tous les jeunes, les Tutsis qui étaient au Congo, qui étaient à Burundi, qui étaient à Tanzanie, ont rejoint le mouvement, ont été formés. Là, les Zaïre, on est en paix. Il faut aussi souligner que le président Habyarimana, ça c'est l'histoire, tout le monde sait, a demandé à fort aux Zaïre. On avait envoyé le général Mayel encore avec des commandos pour appuyer l'armée régulière du Rwanda sous Juvenal Habyarimana, contrecaler la rébellion qui était. Et là, lui est dans l'Ngotagne. C'est l'Ngotagne qui est devenu le fonds patriotique pour le Rwanda FPR en sigle. Et c'est l'Ngotagne. Là, déjà en 91, il était déjà dans l'Ngotagne. Et ça, c'est un élément très important. Il faut aussi reconnaître qu'en 94, puisque la rébellion a duré plus ou moins 3 ans. Dans la troisième année, en 94, sur le renversement de Kigali.
Kigali est tombé en 94, soit 2 ans avant l'agression d'Isaïe. Mmh. Lorsque Kigali est tombé, les frontières s'ouvrent. Les réfugiés, donc le Hutu, fuient le Rwanda. Pour s'installer ici au Congo. Là, les Iteramwe, que je vous avais parlé la fois passée, la milice pro-gouvernement, pro-l'armée régulière de Juvenal Habyarimana, a commis ce qu'ils ont commis, qu'on qualifie souvent de génocide. Ils ont rentré, même les Iteramwe ont pris base arrière au Congo. Maintenant, le Rwanda. Il y a des questions, par exemple, pour ne pas oublier, qu'on en a posées sur l'implication. Est-ce que le Rwanda, tu es fou, monsieur? Est-ce que le Rwanda peut agresser les grands Zaïre, faire tomber Mobutu? Qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais que 15 ans. Qu'est-ce que je connaissais de la politique étrangère? Entre la puissance et des États, qu'est-ce que les États décident? J'ai 15 ans, mineur, je suis chez moi, à l'Est, je ne précise pas mon adresse, je sais ce que je dis. Et vous voulez que je comprenne l'implication des États-Unis, des Anglais, des Français, comme si à ce niveau-là, vos enfants de 15 ans à la maison comprennent la politique étrangère, comment ça fonctionne. Ça, il faut ça, ce sont des questions qu'ils cherchent à mettre le poids sur moi, que je ne peux pas me permettre de dire ce que je ne connais pas. Donc c'est pour dire que le Rwanda décide, avec la bénédiction, des puissances. Maintenant, je suis conscient, je suis avocat, j'essaie de comprendre que maintenant, les nations, comme des petites nations, ne peuvent pas décider celles sans l'implication de grandes puissances. Et là, nous étions sous le régime de Bill Clinton, avec les lobbies américains, ont décidé d'appuyer le Rwanda. Maintenant, le Rwanda, quand il renversait Juvenal Habyarimana, il pense maintenant que les Iteramwe sont en face. L'armée régulière du Rwanda sont en face. Mobutu est venu appuyer Juvenal Habyarimana. Tous les dignitaires du régime sont aux Zaïre, donc notre victoire ne peut être que des victoires d'air. Ils tentent de déstabiliser le régime de Kigali et avec un plan maintenant de contrecarrer les Zaïre pour asseoir. L'objectif d'abord, ce n'était pas la conquête du Zaïre pour changer le régime à Kinshasa, c'était pour repousser les éventuelles attaques qui pourraient faire comme une contre-attaque de les déloger du Rwanda. Donc, repousser au loin les Iteramwe, l'armée régulière du Rwanda du fait à Habyarimana et d'autres prédateurs qui pouvaient mettre à mal le régime de Paul Kagame. Là, il faut le souligner. C'est ainsi qu'ils décidèrent maintenant de renvoyer tous les combattants qui étaient dans le Ngotagne, dans le FPR, qui avaient de racines chez nous, qui étaient nés dans les montagnes des hauts plateaux, comme les Massasu Anselme. L'Anselme, à ce moment-là, rentre pour l'infiltration. Puisque quand on discutait, je posais la question, mais comment vous êtes appris que non, on y était déjà ici depuis 1995. On décide maintenant de rentrer, et c'est ça aussi la force de l'armée rwandaise. La filature, la pénétration, c'est les renseignements qui font les forces, ce n'est pas la poudrière. Ils entrent pour tenter d'étudier les questions où sont logées les bases de les Iteramwe et l'armée régulière du Rwanda que Mobutu avait accueilli et logé. Et ils ont été une branche armée proche de l'armée du Zaïre. Même sous l'agression, lorsque nous étions de Kadogo, nous combattions contre les FAS, mais également on était face avec les commandos du régime d'Habyarimana qui se battaient côte à côte avec l'armée zaïroise pour tenter de contrecaler les Kadogo que nous étions à cette époque. C'est à ce moment-là que Kabila a eu son passé militaire, il a concouru pour la conquête du Rwanda, très jeune. Et quand il quitte, maintenant ce régime, lui n'est pas rentré au Congo. Il est resté où? Il est resté au Rwanda et il ne plus rentré en Tanzanie. Au Rwanda, il faisait quoi? Mais il était déjà au cœur du régime comme l'un des commandants, dans le FPR. Il est maintenant l'un des officiers dans l'armée régulière rwandaise. Ok. Pour avoir concouru dans le combat de renversement du Juvenal Habyarimana. Quand on décide, on met maintenant en avance des jeunes et ceux qui avaient la connaissance du Congo, ceux qui sont nés ici, comme les Anselme, comme lui, Joseph Kabila, comme beaucoup d'autres jeunes qui étaient là. J'en ai attendu, par exemple, le Mirindi qui fait allusion. Mirindi, quand il est venu dans... Est-ce qu'il faisait d'abord partie de votre mouvement? Il est venu après, oui. Mirindi en quelle année précisément? Mirindi est venu vers 97. Donc après la chute de Bukavu, les premières troupes,
Le premier troupe est des gens qui sont venus avec moi ici. Il y en a encore un. Mais il n'est pas congolais. Il est en Dolo ici. C'est Afande Abbas. Arrêté sous Joseph Kabila, il était dans la DEMIAP, je ne sais pas, plusieurs arrêtés, la première fois il a arrêté. Il est en Dolo, je ne sais pas, condamné pour combien d'années. Et ce que je dis ici, il n'y a qu'Abbas qui peut me mettre en contradiction. Il est en Dolo ici arrêté. Alors Mirine, il y avait quelle fonction au sein du Mirine était enseignant. Mirindi était enseignant à 20 km de l'école de Kavuvu, je crois à Katana. Il était enseignant aux humanités. Il enseignait déjà à cette époque, il était plus âgé que nous. Alors comment il a intégré le mouvement? Et nous appelions, il faut préciser un autre élément, les jeunes qui avaient moins de 18 ans, on nous appelait Kadogo. Mais ceux qui ont rejoint le mouvement qui avaient plus de 18 ans, on les appelait les Kibongé. Donc les Kibongé, Yaya. Kibongé, ça veut dire Yaya. Kadogo, donc petit, dans un langage simple, on appelait les petits. Yaya. Donc les Kibongé, et lui, Mirine, était comme un Kibongé par rapport à nous. Mais il était déjà cultivé puisqu'il était enseignant déjà aux humanités à Katana, à 20 km de l'aéroport de Kavuvu, là où il était. Alors, il a occupé quelle fonction au sein du mouvement? Non, il n'a pas. Il était juste un combattant, c'est tout. Ah bon? Mirine, je dis, moi, j'aime pas. Il n'a jamais été tout ce qui s'est dit ici? Non. Pour devenir l'homme de garde du corps, même lui-même n'a jamais dit le contraire. Il était dans l'escorte. C'est comme moi, je fis dans l'escorte d'André Kissa Singandou. Et je vais vous dire de quelle manière il a voulu m'éloigner de l'escorte puisqu'il trouvait que ma curiosité allait me faire tuer. Donc Mirine qui a cherché à vous éloigner ou qui s'est... J'en ai demandé qu'il s'est singando. Okay. Pas m'éloigner, ça dit pas m'éloigner du genre qui n'en avait pas puisque j'étais curieux. Okay. Trop de questions, je voulais tout savoir. Okay. Et il prenait le temps des fois le soir pour moi-même et dans un coulisse, il me parlait. Et moi je parlais couramment, j'étais là aussi comme lui et on parlait en langue. Et aussi... Tout ce qu'il m'a dit, pourquoi il m'a dit ça, je souligne pour ne pas oublier, que par exemple, le fonctionnement de ce mouvement était comment? Si moi je suis porteur d'une mission, je viens aujourd'hui pour accomplir, par exemple, faire les missions. Toi Hervé, tu es porteur d'une mission qui est contre moi. Et le caméraman est porteur de la mission contre Hervé. Et personne ne faisait confiance à personne. C'est tout ce que j'ai remarqué et j'ai retenu. Rwandais ne fait jamais confiance à personne. Il vous envoie, sache qu'on va envoyer quelqu'un d'autre contre vous. Lui, vous pensez qu'il a en train d'accomplir la même mission, mais sa mission, c'est vous. Et à tout moment que ça va tenter de compromettre, il vous l'élimine et lui, il achève la mission. Et quand lui achèvera la mission, dans le puits au point, c'est le caméraman qui finira la mission après avoir éliminé Hervé et ça continue comme ça. Très bien. Alors, dernière question avant de parler cette fois-ci de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis la Belgique pour vous contredire de nouveau. Vous avez dit au cours de l'émission précédente que Joseph Kabila, déjà vers les années 96, il était déjà marié, père de 3 enfants, si je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il s'est présenté comme proche de Joseph Kabila, il n'a pas voulu dévoiler son nom. Il m'a fait croire que Joseph Kabila n'a que pour épouse Marie-Olive Lembe Kabila et il n'a que 2 enfants. C'était l'ignorant. Je le regarde à la caméra, c'était l'ignorant. Et puis il faut aussi souligner... Nous ne parlons pas de Kinshasa, comme nous, à Kinshasa, on le relate. Mm. Quand tu me regardes, je vous dis, je suis né, moi, ce n'est pas un secret, je suis né le 1er janvier 1981. Quand je parle des événements de 96, à 96, je n'avais que 15 ans. Vous comprenez? Et je suis père d'une grande fille qui est à l'université. Vous pouvez le savoir? Ma mère, à moi, a une différence d'âge avec ma sœur aînée que de 14 ans. Et il trouve pour un villageois qui vit dans la brousse qu'à 20 ans, 21 ans, on ne peut pas avoir des enfants. Il tombe de quelle planète? S'il le dit ainsi, demande-lui la question. La fille de Rugiza, de Deo Rugiza, qui est décédée, entre les enfants de la fille de Deo Rugiza et les enfants de Madame Olive, qui sont plus âgés? Les enfants... Et où se sont connus entre lui et la fille de Deo Rugiza? C'est avant Olive ou après Olive? À qui on veut installer l'histoire. S'il est courageux, il n'a qu'à s'annoncer, il le dit, et puis on contredit. Moi, je l'ai dit, puisqu'à cet âge, Hervé, il faut souligner cette page, puisque beaucoup de gens se posent des questions. À 39 ans, je ne crains plus rien. Ni mourir, ni prison, ni intimidation, ça ne me fait plus rien. Très bien. Et à cet âge, s'il m'arrivait la mort, tu ne manqueras pas au deuil. Ça sera, c'est toute la ville, c'est Kinshasa, c'est le Congo qui va parler, Kitenge Joël est décédé. Si j'aurais dit mourir à cette époque et passer au passé simple, je ne crains rien, ni celui qui menace, ni ceux qui appellent,
ni les Rwandais, ni d'autres Congolais aveugles qui ne savent pas comprendre. Les gens doivent comprendre, par exemple, que personnellement, qu'ai-je contre M. Joseph Kabila? Rien. Mais l'histoire doit être établie, la vérité doit être connue de tout le monde. Autre question, j'allais l'oublier. Vous avez présenté Joseph Kabila comme fils de Christopher Kanambe et lui-même s'appelait, selon vous, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Alors, les gens se posent des questions de savoir à quel moment la mutation a eu lieu d'Hippolyte Kanambe à Joseph Kabila Kabangi. Qui a travaillé ou qui ont été impliqués dans cette histoire qui consistait à changer d'identité de celui que vous appelez Hippolyte Kanambe pour devenir Joseph Kabila Kabangi? Ça s'est passé comment? Qui ont travaillé là-dessus? Écoutez, ça ne fait pas l'objet de mes recherches. Mais je vais renvoyer à tout le monde dans la vidéo. Je l'ai à mon téléphone. Peut-être vous l'avez. C'est le professeur Émile Ngoïmou-Kena qui dit dans une vidéo comment on lui donnait le nom qu'est-ce qu'on appelle, Kabangé. Il me demandait comment les jumeaux s'appelaient au Katanga ou les restes. Et nous étions là dans la réunion pour tenter de lui donner cette identité. La vidéo sur qu'il est l'actuel ministre des Défenses sortant, professeur des universités. Vous comprenez? Mais d'ailleurs, je voulais renvoyer les gens dans l'histoire. En 2001, lorsque Kabila décède, je n'étais plus militaire. Il faut aussi souligner que moi, j'ai quitté l'armée, j'ai été démobilisé dans les années 2000. Bien avant la mort de Mouzé. Bien avant, donc une année avant la mort de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, j'avais déjà décidé de redevenir civil. Pourquoi? Ma volonté, je voudrais servir mon pays autrement, comme très civil bien. Et autre, puisque ça sera une autre histoire. Ça, vous parlez maintenant de ma vie privée, ça sera une autre histoire. Les années 2000 que moi je quitte, une année après, Kabila est décédé. Lorsqu'on fabrique, ça je reviendrai, hein, je saute un peu une étape. Lorsqu'on fabrique cette histoire-là du nom de Kanambe, c'est là où j'insiste que l'instigatrice dans cet élément, il faut aussi souligner l'élément qui allait m'échapper, puisqu'il n'est pas mort. Il est vivant encore. Mais il est maintenant à l'étranger. Je vous salue là où vous vous trouvez, que le Seigneur te bénisse, on est ensemble. C'est le mari, le monsieur qui vivait déjà en couple avec madame Sifa Mahanya avant qu'il rencontre Moussa Laurent Désiré Kabila. C'était aussi un tété là. Il vous a dit quoi? Non, mais c'est lui qui était Mouba la maman Sifa. Avant qu'il se sépare avec maman Sifa, pour que maman Sifa retrouve Moussa Laurent Désiré Kabila à Kalemi. Donc, cet élément, madame Sifa, en partant avec ces jeunes combattants en Tanzanie, ces jeunes, le fils de tous ceux qui sont morts en combat en Tanzanie, certainement, ils ont grandi dans leur nom. Moi, quand je le raconte à Bukavu, on l'appelait Afande Hippolyte. Afande qui veut dire commandant. Afande Hippolyte. Et on l'appelait tout le monde, ses amis, souvent Massasu le coupait toujours Hippo. Commandant Hippo. Hippo. Non, bon, c'était des amis. Massasu avait 26 ans en 96. Lors de l'agression de Bukavu, quand Bukavu est tombé en 96, Massasu, Anselme Massasu avait 26 ans et Joseph Kabila n'avait que 25 ans. Ils avaient une différence d'âge d'une année. Ce sont de vrais amis. Lui, il l'appelait Hippo, c'est là où nous tous nous avons retenu. Maintenant, Kanambe, en 2001, quand Kabila prête serment, la vidéo, elle est là, suivez-la. Il y a deux vidéos de prestation de serment qui circulent. Quand vous regardez, on a supprimé la première, on en a laissé la deuxième. Il a prêté serment avec deux caractères de nom. Moi, Joseph Kabila. Je prête serment comme président de la République démocratique du Congo. Le nom de Kabang a évolué par la suite avant les élections de 2006 qu'on a découvert tout son vrai nom, Joseph Kabila Kabang. D'abord, le nom de Kabang n'était pas dans l'identité de ce dernier. Il a commencé par exilper le « moi, Joseph Kabila ». Quelqu'un d'autre m'a écrit que dans une interview avec Colette Braquer, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, il dit, on lui reprochait que ton enfant. Bon, je parle français. Quand on dit à quelqu'un enfant ou fils, ça veut dire exactement que vous l'avez, il est né de toi ou de cette nature. Dès lors qu'ils les ont pris, ils ont été élevés en tant que tels et les considéra pour père. Et puis, un autre élément de conscience que les gens doivent savoir, c'est Joseph Kabila, que j'appelle commandant Hippo,
qui a amené Moussé Laurent Désiré Kabila dans le mouvement des Afdel à Bukavu pour qu'il devienne le tout de tout nouveau porte-parole du mouvement. C'est lui qui te fabrique et qui te ramène. Et il te considère comme père. Vous voulez que vous l'appeliez comment? Cette fabrication, c'est pourquoi moi je lance aux autorités, c'est Sifa Maanya est dans le coup de vouloir cacher cette histoire pour transformer ce dernier à Kabila Kabang Joseph, au contrairement à Hippolyte Kanambe, dont il était le fils de Christopher Kanambe, pour des raisons d'usurpation. Il faut aussi souligner, lorsque Moussé était ici à Kinshasa, hein, Mama Sifa était arrêtée et placée en Dolo par Moussé Laurent Désiré Kabila. Je cherche un élément de la dame. Étienne Kabila m'a révélé une fois dans l'émission que Madame Sifa voulait empoisonner Moussé. Il l'avait empoisonné. La dame qui est venue de Bukavu pour venir sauver, la devin qui est venue sauver Moussé Laurent Désiré Kabila par ses médicaments traditionnels est vivante. Permettez-moi une minute. Alors, voilà. Demandez à Madame Sifa pour quelle raison Joseph Moussé Laurent Désiré Kabila l'avait emprisonné ici, en Dolo, pour tentative d'emploi. Il l'avait empoisonné. Et après l'avoir empoisonné, puisque là, Madame Sifa déjà reçoit le mandat de Rwandais pour tenter par elle d'éliminer Moussé Laurent Désiré Kabila sans par la voie des armes, puisque l'arme, la balle était le dernier recours qu'ils ont fait appel. Et pourquoi il en a fait? C'est Madame Sifa qui peut vous le dire, cette tentative. J'insiste, cet élément important. Il l'avait empoisonné et le médicament de cette dame herboriste qui est venue de Bukavu, Maman Magasse, qui est connue de beaucoup de gens à Bukavu, Maman Magasse, spécialiste même l'empoisonnement de quelle nature. Elle m'a déjà soigné. Elle m'a déjà soigné une fois de mon poison et c'est elle qui me relate. Il dit ton poison est petit. Celui qui j'ai soigné, Moussé Laurent Désiré Kabila, était plus puissant que le vôtre et ce genre de poison n'est pas de chez nous. N'est pas de chez nous. Et après avoir soigné que le Mérelate, elle est vieille, mais elle est vivante. Ses enfants aussi soignent Maman Magasse. Là, il faut demander à Madame Sifa. Mais Madame Sifa est congolaise de père et de mère. Elle est originaire du Maniema. Tous ce sont des Babangubangu. Et vous comprenez, les messieurs qui étaient le chef de la maison civile de Kabila, je veux bien connaître Théodore Mougal. Le Théodore Mougal, qui est frère, cousin à Madame Sifa. Donc c'est comme ça que même Joseph Kabila était plus attaché des gens qui viennent de Sifa, de Madame Sifa, dont les Chadar et tout, c'est le Babangubangu, dont l'honorable Didimanala, et où les restes, sa force, c'était le Maniema. Les Katanga, c'est pour le maquillage qu'il les utilisait en fond, et il a tout fait pour éliminer un à un de proches de la famille de Moussé et de ceux qui connaissaient la vraie histoire, en gardant que ses prétendus oncles maternels sans fondement ni ici. Mais j'insiste, Madame Sifa Maanya n'a jamais eu d'enfant. Très bien, on va cette fois-ci parler de la concrétité de l'exercice du pouvoir. Maître Joël Kitenge, le 16 mai 1997, Mobutu fuit Kinshasa, il va s'envoler pour Guadeloupe. Le 17 mai, l'AFDL s'empare de la ville de Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, proclamé président de la République, il s'est autoproclamé président de la République. Les Aïrs redeviennent les Congos. Alors, Maître Joël, dans votre suite, il y avait des Rwandais parmi lesquels Bizimakara, James Kabarebe, Bizimakara qui a été même ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir les raisons pour lesquelles Moussé Laurent Désiré Kabila avait, même après sa prise de pouvoir, nommé des officiers rwandais au sein de nos institutions? Merci. Là, c'est une question importante. Que nous apprenions, que les gens sachent la motivation que nous en connaîtrons ainsi. Il faut d'abord dire que dans cette histoire, et hormis la mort, je ne pas parler de la mort de Anselme Masasu, hein, je voulais passer par là, où Masasu, Mirindi ne vous dira pas. Par exemple, Mirindi, il vous dit, je vais revenir dans ça, Mirindi, il vous dit dans son livre, il s'inquiète, et comment Anselme Masasu a été tué et il lui réclame le sang d'Anselme Masasu. Mais c'est que Mirindi ne vous dira pas qu'Anselme Masasu était
coupable des autres trahisons, de l'assassinat et de l'empoisonnement de 4000 combattants Maïmaï dont Mouzé lui en avait donné l'ordre puisqu'il l'avait compris déjà en amont. Mm. Je vous ai dit quelque chose dont vous n'avez pas tenu attention, que vous n'avez pas tenu compte. André Kissa Singando, lorsqu'on fait la réunion, ça veut dire qu'on restructure le mouvement, on lui donne maintenant une ligne politique, les tout premiers Congolais qui étaient comme les porteurs de mouvement écartés dans la réunion. Et à chaque niveau de la conquête, les Rwandais changeaient pour ressortir un nouveau leader. Vous vous souviendrez même, pendant que les RCDA voulu conquérir le régime de Kinshasa, comment Dei Lungawamba Diawamba, des artistes Zaïd Ngoma, de tout ça, jusqu'à Adolphe Nusumba, comment ils se décédaient les leaders. Baf, on arrive à l'accord de Lusaka, accord global et inclusif, c'est Lubero qui devient président dans les accords. Et ils font toujours leur moyen de se servir des autres et de vous éliminer quand c'est le temps pour l'accession au pouvoir, quand c'est le temps pour les postes. Ils se servent surtout des Congolais. Et vous vous souviendrez de quelle manière ils utilisent de figures juste pour le faire apparaître, mais dans la décision, et ils ont leur propre agenda que Mouzé ne connaissait pas. Deuxième élément, Mouzé était déjà dans la logique de chasser Mobutu avant. Quand je parle des conquêtes de Wimbi de 83, Paul Kagame est officier ougandais, colonel, dirigé ce que nous qualifions de Demiap chez nous, l'équivalent de Demiap en Ouganda. Et d'ailleurs, dans ces années-là, il va continuer son académie aux États-Unis pour rentrer encore en Ouganda comme officier militaire. Et à cette époque, Mouzé Laurent-Désiré Kabila est dans la logique de chasser Mobutu. Toutes les tentatives pour ne résumer que ça, ça n'a rien abouti, mais il est resté dans sa vision, dans son combat, dans cette philosophie. L'occasion tombe, Hippolyte le ramène dans un mouvement d'où on avait déjà conquis le nord et Sud Kivu. Il faut souligner que l'attaque des deux provinces avait été faite presque comitatement. Et c'est dans la même semaine qu'on a pris les deux provinces et les troupes se sont séparées au même moment qu'on attaquait le nord Kivu et le Sud Kivu était déjà dans le collimateur des balles et autres. Maintenant, comment ce mouvement est arrivé? Comment a-t-il nommé le Rwandais? Il n'était que porte-parole du mouvement. Et l'opération militaire était dirigée par le militaire, dont il y avait Anselme là, Massassou, Kisasi, Ngandou, et Bouguera était dans le D. Deogracias était aussi militaire autant que civil. Il était en même temps dans le conseil militaire, en même temps dans le conseil bureau politique du mouvement. Et le cerveau politique de ce mouvement, par les ordres qui venaient de Kigali, c'est Bizima Kamouretou, qui était le cerveau politique. Attendez un peu, maître, vous allez évoluer. J'ai rencontré il y a, je crois, un mois, un proche de Bizima Kara. Il m'a fait croire que Bizima n'a jamais été rwandais. Il a d'ailleurs étudié ici, à l'université de Kinshasa, dans la faculté de médecine. C'est un Congolais né ici, je crois, à Fizi, si je ne me trompe pas. Oui, tous les Rwandais disent ça. Puisque ça j'allais revenir dans la partie de rwandophone. Quand je dis de rwandophone, vous comprenez, je ne parle pas des Rwandais. Très bien. Donc, les gens qui parlent la langue rwandaise, entre-temps, les autres se disent être Congolais, il y en a. Très bien. Alors, il y en a des Congolais d'origine rwandaise, ils existent. Revenez dans la nomination. Et il y en a de Rwandais, 100% Rwandais, mais qui se disent être Congolais, ils existent. J'allais arriver dans cette partie-là. Très bien. Puisque ce que vous qualifiez de Rwandais, ces gens que vous avez dit, a-t-il nommé des Rwandais? Il y avait maintenant un débat de l'ère congolité qui est tous ceux qui sont venus du Rwanda. Dans la petite histoire, s'est réfugié maintenant à Fizi. Il se faisait appeler maintenant Banyamureng, avec une connotation zaïroise, donc congolaise, il faut couper les mots, congolaise. Kabila, il prend maintenant la main, il comprend le jeu, il tente maintenant de renverser la vapeur en interne. Et ils avaient leurs agendas, Kabila avait son agenda de la conquête du pouvoir, le renversement du Zaïre. Kabila avait l'image du renversement du Zaïre dans sa manière. Et il a commencé à faire appel à ses anciens compères combattants. Les ont rejoints, ses anciens de Maquis, de Wabora, quand je parle copains, je parle de Maquis, qui l'ont rejoint, puisqu'il ne faut pas, vous vous souvenez de l'histoire de Nathanaël Mbumba. Mbumba Nathanaël, le numéro 1 de Tigre. Et beaucoup d'autres, on va vous parler de quand les moins congolais sont venus, il a fait appel
à ses amis et le renfort lui sont venus maintenant de vrais Congolais, des souches, qui n'avaient ni lien ni trait avec la partie. Maintenant, il était face à une catégorie de gens, entre guillemets, Banyamulenge, qui est, se disait Congolais, et dans cette entité, ils étaient presque tous, il faut souligner que la plupart des Rwandais, les lettrés, bien sûr, surtout les Tutsis, pour éviter la didactique de Juvenal Habyarimana, la plupart des jeunes Tutsis du Rwanda étaient des boursiers de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kinshasa. C'est ainsi que dans le débat, vous savez qu'on taxe de certains qui sont devenus ministres, vice-présidents ici, avec les documents prouvant quand ils sont venus comme des boursiers du Rwanda. Mmh. Ils ont étudié ici. Ils ont fait leurs études, leurs spécialités ici. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur refuser. À l'IBTP, il y a des étudiants camerounais, brazzavillois et autres. Cela ne fait pas autant quand on a étudié à Kinshasa, vous le devenez zaïrois ou congolais. Il y a aussi des étudiants congolais à Paris, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Cela ne fait pas de vous. Et être né, j'ai insisté sur l'aspect quand je parlais de Kabila, d'être né à Ewabora. Mmh. Être né dans un sol vous donne déjà un 50% de devenir citoyen de ce sol par le droit du sol. Mais Bizi Makara Muheto est un Rwandais. Pourquoi je dis Rwandais? Puisqu'en 1959, ça c'est l'histoire de la recherche, et ceci m'a été relaté par mes vieux parents. Ils sont vivants. Moi j'ai encore des grands-parents et des parents vivants. Et ma mère et mon père, là où ils me suivent, ils sont vivants. Inutile de relater, ils sont dans cette société. Je suis né dans une famille de 13 personnes. Il n'y a pas de jumeaux. Il n'y a pas de tout ça. Maman moko, tata moko, comme au village. Blague t'es. Et il y en a 10 qui sont vivants et je suis le 7e de ma famille. Donc, il ne faut pas... on est nombreux. Alors, c'est Banyamulenge, en 1959, quand certaines personnes fuyaient la répression de ce vieux roi avant l'indépendance, beaucoup se sont réfugiés ici. Il y a la deuxième vague des Rwandais qui sont venus comme des réfugiés. Il y a un petit poignet des rwandophones, j'insiste, rwandophones, qui habitaient déjà la montagne des Hauts Plateaux avant l'indépendance. En 1959, ils étaient de bergers. Jusqu'à l'accession de l'indépendance, ils étaient dans les Hauts Plateaux et ils convivaient avec les Babembe, un petit poignet. Mais le grand poignet des nombres, dont les descendants de Bizi Makara Muheto, sont ceux qui sont venus pendant le réfugié, avant la naturalisation collective de 1976 sous Mobutu et sous les Barthélémy Bisseguimana qui était le directeur du cabinet de Mobutu. Et dans cette catégorie, nous nous retrouvons avec un poignet des Zaïrois, zaïrianisés par l'ordonnance du président Mobutu, dont la famille et les parents, les co-descendants de Bizi Makara sont dans ça. Dans ce niveau-là, il peut s'appeler Congolais. Ça, il faut qu'on précise une histoire. Mais c'est là où est fauche. C'est de vouloir dire qu'ils ne sont... Ils oublient leur histoire des réfugiés alors que les vidéos sont là de la communauté internationale de Croix-Rouge, de l'époque en noir-blanc, démontrant comment les Rwandais s'installaient comme de toutes. Ils pouvaient accepter ça, tout en disant que nous avons été congolisés puisqu'il y a des documents. Très bien. Mais nier l'histoire et dire que nous sommes ici comme des rwandophones congolais et avant l'indépendance, ça c'est la fausseté de l'histoire. Très bien. Il faut la recadrer, c'est là où je refite. Et dans troisième catégorie de ce mouvement, attention, il y a des gens qui n'ont été ni des souches de réfugiés, ni des Banyamulenge de Fizi. Ce sont ceux qui sont venus pour la conquête du pouvoir des Rwandais, de l'armée régulière du Rwanda, qui sont venus avec la James fidèle, Kabarebe, par exemple. James Kabarebe et beaucoup d'autres. Dans cette poignée, il y avait aussi une catégorie d'un petit nombre, par exemple, des Anselmes, Massassou et les autres, qui étaient d'un seul parent rwandais. Et là, il y avait aussi une difficulté de nier leur congolité. Par exemple, Anselme, la fois passée, j'avais dit quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai dit, par exemple, qu'Anselme, c'est sa mère qui était congolaise. Non, c'est le père. C'est le père qui était mouche et c'est la mère qui était rwandaise. Et à ce niveau-là, on est des patriarcats. Vous pouvez comprendre qu'ils pouvaient toutefois se réclamer des deux côtés. Il y avait un poignet de ces gens-là qui avaient d'une mère de l'autre côté et du père de l'autre côté. Très bien. Il y avait des Rwandais. Mais ce que Moussé Laurent Désiré a nommé au pouvoir, tous se sont présentés dans la connotation de Banyamulenge.
donc se réclamant être congolais. Vous suivrez même la manière dont Mosé il parlait en rigolant. Il dit, j'ai dit aux Rwandais qui étaient ici de partir, mais j'ai vu les Bizimakara, j'ai vu les autres, les rumeurs de Gracias et aussi Sopotami. Oh, mais vous vous disiez que vous êtes des Congolais. Comment j'ai dit aux Rwandais, pour lui-même. Et voilà, comment j'ai dit aux Rwandais de partir, vous aussi vous êtes partis. C'est que vous n'étiez pas des Congolais. Tu vois, dans cette idée, les Banyamulenge commettent une faute à ne pas se désolidariser des Rwandais. S'ils sont Congolais, ils doivent se battre pour la cause du Congo. Par contre, dans toutes les bonnes causes dont les Rwandais agressent le Congo, les Banyamulenge prennent toujours parti du Rwanda. C'est ça qui crée maintenant la haine. Mais les Congolais doivent savoir que des Congolais d'origine rwandaise existent et leur situation juridique avait évolué depuis le temps du Zaïre. C'est un poignet. Mais il y a de ceux qui n'ont ni lien juridique avec la nationalité, ni lien d'origine, ce sont des Rwandais. Mais tout ça, difficile d'établir pour quelles raisons. On n'a jamais recensé. Très bien. Nous n'avons pas de carte d'identité. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, toi tu es Congolais, moi je ne suis pas Congolais, puisque par le visage. Ça pose problème. Très bien. Alors maître, on a largement encore débordé, mais on n'a pas toujours épuisé la matière. Est-ce que vous pouvez encore nous promettre de revenir pour parler cette fois-ci de l'exercice du pouvoir par Moïse Kabila, la prochaine fois? Nous ne nous empêchons pas, si Dieu nous prête vie, tout en vous remerciant de cette invitation, en rappelant à d'autres Congolais, ce n'est qu'un témoignage. Très bien. C'est qu'un en garde. Je suis libre de dire ce que je dis. C'est de mon pays qu'il s'agit. Et c'est de l'histoire de mon pays qu'il s'agit. Alors, une dernière question pour nous séparer. Bizimakara avait joué, ou plutôt, il avait assumé quelle fonction au sein de l'AFDL? Et pourquoi il a décidé de partir quand Mosé a demandé aux Rwandais de quitter le pays? Il était le numéro 2 du mouvement. Quand lui qui était que porte-parole s'est fait président dans les conquêtes des partis, là on occupait déjà, c'était comme la République, une autre République et les Zaïre avec Mobutu. Et Kabila était déjà adopté comme chef. Et Bizimakara, du point de vue du bureau politique, était le numéro 2 du mouvement. Là où il faut aussi souligner que vers la fin, avant la fin de la conquête, on avait déjà éliminé d'autres Congolais potentiels, dont André Kisasi, dont j'ai fait allusion. Et dans l'idée de l'imaginaire du Rwanda, que m'a été confié André Kisasi Ngandou, c'est de faire de Bizimakara le président du Zaïre à l'époque, donc le président de la République démocratique du Congo. Et tout a tourné mal quand le Kabila comprit ses idées. Était déjà victime de plusieurs tentatives d'empoisonnement et d'assassinat. Il s'autoproclame président, c'était les débandades du plan et du chaos de l'ère imaginaire. Mais Bizimakara était comme le numéro 2 du mouvement, du bureau politique. Puisqu'il y avait la branche militaire, il y avait la branche politique, comme dans toutes les rébellions. Qui a rejoint les mouvements premiers entre lui et Mosé? Non, Bizimakara était déjà OK, puisque dans les Ngotani, je vous expliquais, là où tous les rwandophones ont rejoint d'abord, ont coalisé tous les Tutsis de tous les pays aux alentours, se sont coalisés pour renverser Juvenal Habyarimana. Quand le mouvement est né, même à l'Emera, il faut aussi souligner, dans l'aéroport là où je parlais du quartier Kinkondo, Bizimakara était dans la réunion de l'Emera. Était dans la réunion de l'Emera politique et Mosé dans la réunion de l'Emera sans André Kisasi Ngandou. Donc, quand Mosé arrive, Mosé trouve déjà Bizimakara dans le mouvement. Mais il ne pouvait pas prendre les devants puisque sa congolité était en problème. C'est pourquoi, avant même que Mosé arrive, on a confié à André Kisasi Ngandou la tâche de diriger le mouvement comme le numéro 1 du mouvement. Ensuite, le bureau politique était dirigé par Dr. Lokondo. Et plus tard, Mosé, Bizimakara ne prenait pas l'élan puisqu'il ne communiquait pas. Et puis, du point de vue d'haranguer la foule, ce n'est pas un bon parleur. Très bien. C'est juste un philosophe, quelqu'un qui parle trop peu et très calculateur. J'ai appris qu'il est médecin. Oui, c'est tout. Souvent, ils étudient, ils ont leur caractère très réservé. Ce ne sont pas comme de Kitenge Verbiage. Maître Joël Kitenge, je compte en tout cas vous retrouver encore très prochainement, mais cette fois-là pour parler que de la conquête et de l'exercice du pouvoir sous Laurent Désiré Kabila, avec tout ce qu'il y a eu comme suppression des partis politiques, la relégation d'Étienne Tshisekedi. On va donc tenter un peu de revenir sur tout ça, si vous le permettez. Avec plaisir.
Très bien, l'émission est terminée. Maître Joël, encore une fois de plus, merci de votre passage. Est-ce qu'il y a un mot à adresser au public ou une question que je ne vous ai pas posée? La question, je n'ai pas de question d'adresser au public. Le mot, c'est une idée. Il y a beaucoup de gens qui ont émis le vœu que nous puissions écrire ça. Cela, vous me permettez. Écrire, c'est des moyens. Et je ne peux pas me voiler la passe. Je suis comme tout Congolais moyen qui se débrouille. Pour écrire, c'est des moyens. Donc, nous voudrons, si les gens peuvent être de bon cœur, penser qu'il faut mettre ceci dans un ouvrage et d'une certaine manière appuyer ces démarches-là, nous serons très reconnaissants envers, et c'est la République d'ailleurs qui leur sera reconnaissant. Très et pour dire à tout le monde que personne ne doit avoir peur de ce que je dis. Ma famille, votre message, en paix. Votre message est passé, Maître Joël. J'ose croire que la diaspora qui nous demande de multiplier les productions de ces genres d'émissions va venir plutôt en aide face à ces cris d'alerte, à ces cris d'alarme. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce deuxième numéro consacré à l'histoire de l'AFDL. Nous vous promettons un troisième numéro qui va cette fois-ci aborder la conquête et l'exercice du pouvoir par Laurent Désiré Kabila et ses troupes. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.